Jean-Charles Schenker, bonjour. Nous sommes à Hammamet en Tunisie. C'est le congrès de la FIPF, le congrès de tous les professeurs de français du monde arabe. Vous êtes le directeur du centre de langue de l'Institut français de Tunisie. Est-ce que vous pourriez le présenter ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en quelques mots, je vous présente le centre de langue de l'Institut français de Tunisie, qui est un immense centre de langue, puisque nous avons 12 pôles répartis dans tout le pays, du nord au sud, de l'est en ouest, avec 17 000 apprenants, 250 professeurs, et nous donnons des cours pour de l'initiation, c'est-à-dire des enfants de 6 ans jusqu'au cours adulte en passant par le FOS. Voilà, alors on est vraiment dans la diversité et nous sommes surtout un pôle qui est extrêmement dynamique, qui depuis la fin du Covid a repris du poil de la bête, hein, petite expression française sympathique. Et on a plein de projets parce que les Tunisiens sont très très intéressés par Alors le statut de la langue en Tunisie est très particulier parce que c'est ni une langue française, langue étrangère, ni une langue seconde, c'est un petit peu un mélange entre tout. Mais il y a un intérêt notamment auprès de la jeunesse qui est très très fort, notamment sur la mobilité étudiante. Voilà, c'est pour ça que nous dispensons de tous ces cours et que nous sommes en pleine expansion. Nos projets en 2023, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment développer encore l'offre pour les cours enfants avec des méthodologies encore plus actuelles, mais aussi les cours pour adultes et bien sûr notre cheval de bataille, parce que ça marche très fort en Tunisie, le français sur objectif spécifique et le français en entreprise. Voilà. L'Institut, c'est aussi plein de, comme je l'ai dit, 250 professeurs formés, une équipe formidable, dynamique. Nous travaillons avec tout plein d'acteurs, que ce soit en France ou en Tunisie. Voilà, donc nous sommes vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Et venez nous rendre visite, soit sur le site, soit sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.